Ce matin, j'avais envie de tourner une vidéo, puis je me suis senti nul. Je ne sais pas mettre un mot précis sur ce que je ressens, mais je me suis dit que vous montrer l'état de mon appartement en ce moment vous donnerait une idée approximative de mon état spirituel. Alors, je vais pas commencer à utiliser des grands mots comme dépression, parce que de 1, je ne suis pas du tout diagnostiqué, mais ensuite parce que c'est un petit peu trop trash à mon goût. On est plutôt sur un petit coup de blues, voilà, on va dire ça comme ça. La pluie me déprime, le ciel gris me déprime, le froid me maltraite, TikTok a volé mon âme, je n'ai plus envie de sortir, je ne me prépare plus, mon hygiène de vie, de manière générale, est celle d'un rat mort. Et pour finir, je m'auto-agace tellement que j'ai la flemme. Puis d'un autre côté, j'arrive pas à m'en vouloir parce que les moments où j'essaye de me prendre en... Oh, ta gueule! Oh, désolé. Vous voyez, je suis à bout. Bon. Il s'agirait d'être un peu utile sur cette terre, voilà. On se relève. On ne se laisse pas abattre. C'est un petit peu mes stories snap depuis 2016, quoi. Je suis con, quoi, je suis en train de rajouter des couches comme si c'était une crème alors que c'est un scrub. Je le sais avant vous parler parce que j'ai grave pas envie de parler en fait aujourd'hui. Vu la gueule de mes sons, je crois que ça se comprend. Mais j'ai cru que j'allais tout faire en voix off ou quoi? Il n'est absolument pas 19h ou 18h, non. C'est carrément le matin, c'est juste qu'il fait noir tout le temps. Ça joue un petit peu sur mon moral personnellement. Pour vous resituer un minimum, j'ai obtenu mon diplôme. Et là, ben, mon seul projet à venir, c'est d'aller en Australie. Genre, c'est le seul truc que j'ai prévu. À part que c'est genre d'ici 2-3 mois maximum. Donc là, on est en plein mois d'octobre. On est le 14 octobre au moment où je filme cette vidéo. Mais c'est drôle ce sentiment d'avoir l'impression d'être un bolos et de rien foutre de sa vie en fait. Et moi, ça me tend et ça joue réellement sur... sur mon moral, voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Dire un truc nul en fait, parce que chômer toute ma vie, c'est pas un problème moi en fait. À partir du moment où je suis avec des potes, etc., ça me dérangerait pas. Mais le problème, c'est que là actuellement, tous mes amis sont retournés à l'école, ceux qui travaillent sont retournés travailler, et bah, ça fait que j'ai juste rien à faire de ma vie en fait. Genre, je suis tout seul toute la journée dans mon appart. Et le pire, c'est que j'ai l'impression de rien foutre de ma vie, alors que non, si j'ai rien à faire de ma vie là actuellement, c'est parce que j'ai entre guillemets déjà fait ce que j'avais à faire quoi. Genre, y a plus qu'à attendre maintenant pour la suite. Bref, peu importe, tout ça pour te dire que tu es actuellement dans une vidéo qui représente le désordre mental dans lequel je suis actuellement pendant ces quelques mois d'attente où je n'ai rien à faire à part mettre de l'argent de côté et faire le ménage, que je ne fais même pas du coup. Tout ça pour dire, j'ai toujours été déprimé dès qu'on arrive en hiver en fait. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis là pour l'été en fait. Genre, vraiment, j'existe pour 2 mois, c'est tout. Du coup, bah, c'est pas habituel que je déprime à cette période de l'année. Mais en fait, ce qui est trop drôle, je sais pas pourquoi, d'un côté, c'est que la différence avec les autres années, c'est que cette fois-ci, c'est la dernière fois que ça arrive, genre. Parce que c'est spécifique à ici, genre de déprime en fait. T'as rien d'autre à faire, t'es là, t'es en Belgique, il pleut toutes les 2 secondes. T'as envie d'aller te poser à un bar, bah tu peux pas être drache dessus, faut aller le samedi quoi. Je suis un peu roue libre là, j'ai appelé la mère, j'ai l'impression que c'est pas grave. Enfin bref, du coup, ça me fait rire parce que je suis en train de me dire que au final, c'est la dernière fois que j'ai le droit de faire la drama queen et de déprimer en hiver. Donc, genre, il faut le romantiser le truc quoi. La suite de la journée, à mon avis, ça va être une grosse vaisselle. Voilà, un gros ménage. D'ailleurs, tant que j'y suis, petit fun fact que j'ai oublié de vous dire, c'est... Comme je vous disais, je suis diplômé. Ma remise des diplômes, j'ai appris que c'était le 19 octobre. On est le 14. C'est dans quelques jours. Vous savez ce qu'il y a d'autre le 19 octobre? Le concert d'Aya Nakamura à Bruxelles. Et qui a pris une place? Moi. Est-ce que j'ai pris une place pour ma mère aussi? Oui. Le concert d'Aya est à 20h. Ma remise des diplômes à 18h à Liège. Il y a 1 heure de train entre Liège et Bruxelles. Pas besoin de vous faire un long calcul, je vais aller voir Aya Nakamura. Je ne vais pas aller à ma remise des diplômes, genre à un moment donné, faut pas abuser. Vous avez déjà entendu la phrase l'état de ta chambre ou ton appartement est représentatif de l'état de ta tête. Ben actuellement, ma tête ressemble vraiment à ça, je trouve. Voilà, c'est une brocante. Je suis perdu, quoi. Vraiment, on est sur le marché aux puces. Stay.
trop de poussière. Bon, ça ressemble pas du tout à notre rangé là actuellement, on est bien d'accord. Par contre, mon nouveau setup trop kawaii, mon dressing, wesh. Mais c'est quoi, enfin, je sais pas, je comprends pas, ça mélange de ça donne bien de... Et de... C'est la foire, je comprends pas. Ici, le blues voulait nous dire quelque chose au final. J'ai l'impression que rien ne va dans ma vie, et c'est peut-être parce que j'ai plus le temps d'y penser, et c'est pas plus mal. L'été et ses distractions sont terminées, et c'est le retour à la vie réelle. Un temps à rester chez soi et se poser toutes les questions existentielles du monde. Ma première question serait, pourquoi est-ce que ce matin je n'ai pas tourné la vidéo que je voulais faire? Pourquoi est-ce que d'un coup j'étais persuadé que c'était une idée de merde? Pourquoi est-ce qu'on se sabote? C'est encore une autre question ça. Une question qui a même rien à voir avec un coup de blues hivernal, c'est bien plus profond. Est-ce que j'ai peur d'échouer ou bien est-ce que j'ai même peur de réussir en fait? Pourquoi est-ce que je suis si dur avec moi-même? Est-ce que j'estime que je ne mérite pas la réussite? Serait-ce une ancienne relation qui m'aurait appris que je ne valais rien? Ou encore un parent qui ne prête aucune attention à mes réussites? Et au final, est-ce que moi, j'ai conscience de ma valeur et est-ce que moi, j'y accorde de l'attention à mes réussites? Voilà le genre de questions que peuvent soulever ce que j'appelle des coups de blues. Des questions ultra chiantes qu'on n'a vraiment pas envie de se poser. Mais une fois qu'on a la réponse, on ne sait plus faire autrement que d'y répondre. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce qu'aller voir Aya Nakamura une millième fois au concert au lieu d'aller à ma remise des diplômes, c'est un bon choix? Est-ce que je suis pas juste en train d'encore fuir ma réussite? Et le plus drôle après tout ça, c'est que c'est moi qui vais blâmer les autres de ne pas accorder d'importance à mes réussites, alors que moi-même je le fais pas. Cher coup de blues, merci. Merci d'être une période chiante qui permet de belles périodes d'arriver. Est-ce que cette phrase est française? Je suis pas sûr. Bref, bonne nuit. La forme de carré. Bon, les amis, j'ai réfléchi. Et je pense que vous savez c'est quoi la suite finalement. Bon, maintenant je vais rentrer, je vais me préparer pour la suite de la journée. Et je pense qu'elle va prendre une tournure un peu plus philosophique. Je vais me claquer, je t'en Coucou les amis, dans cette vidéo j'avais prévu de vous emmener voir Aya Nakamura en concert encore une fois à Bruxelles pour l'anniv de ma mère. Et en fait c'est censé être une vidéo un peu drôle en mode ma mère et moi allons voir Aya Nakamura au concert plutôt que d'aller chercher mon diplôme, parce que aujourd'hui c'est également le jour de ma remise des diplômes. Et en fait ce qui se passe c'est que finalement les choses ne se passent pas exactement comme prévu, on a décidé d'aller à ma remise des diplômes. Voilà, il est temps de devenir une personne responsable, voilà, qui prend des décisions logiques. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, ma mère, moi-même et environ 3 proches
allons à ma remise de diplôme parce que évidemment j'ai pas su prévenir tout le monde quoi, vu que j'y vais en dernière minute. Alors, comment s'est passée votre remise de diplôme? J'ai été diplômée pour les levels. J'ai cru qu'il y avait un attentat. On aurait dû aller au concert d'ailleurs. Voilà, c'est pas au concert d'ailleurs, c'était ici. C'est avec une grande joie et une profonde admiration que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer votre réussite exceptionnelle. Et là, j'entends déjà Kim nous dire « Mais madame, c'est pas un peu bling comme discours tout ça ?» Et il a d'ailleurs bien raison. Oui, parlons de style. Ah, Kim, on parle de toi. Pour ça, vous nous avez bien gâté à votre style. Stressé, de bonne humeur, mais toujours bien fringué. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'est pas parfaite, mais je voulais quand même la poster. C'est du fait maison et ça le restera toujours. J'espère que vous verrez vos coups de mou différemment maintenant. Écoutez ce que votre corps a à vous dire, les amis. On se dit à bientôt. Ciao. À quelle belle journée. Juste